que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo unboxing. J'avais pas prévu de faire cette vidéo là, mais en fait j'ai reçu un colis ce matin. C'est un partenariat que j'ai fait avec la marque, je m'en rappelle même plus. Du coup je me suis dit que ce serait cool de l'ouvrir en sous forme de unboxing parce que je me rappelle plus de ce que j'ai commandé. Donc voilà, j'ai tout ça, je sais pas du tout ce que c'est. Je vais ouvrir le colis et je vais regarder en même temps que vous, et puis comme ça vous verrez mes premières impressions. Donc pour commencer j'ai ça. Ah ouais, ok, d'accord. Je vous avais dit que je voulais des hauts avec des lacets, etc. Et en fait j'en avais commandé un sur le site, mais c'est un espèce de sweat avec un décolleté qui m'a l'air d'être extrêmement plongeant. Mais le décolleté m'a l'air d'être vachement... Ouais non, c'est bon en fait. Faut que j'essaie. Mais en fait voilà, les cordons c'est moi qui dois les mettre quoi. En gros tu démerdes, toi qui les mets, c'est trop chiant mais bon. En gros il y a le cordon et c'est moi qui dois me démerder, c'est moi qui dois le mettre quoi. Et sinon il y a une capuche et tout. Voilà. C'est un pull, la matière elle est vachement cool, je sais pas si je pense que vous voyez un peu le genre de matière que c'est. Là c'est un pull col montant, c'est un pull tout simplement col qui monte comme ça, parce que j'adore ça, je pense que vous le savez. Et en fait il est un peu plus long derrière que devant. Ça faut voir porter aussi, je vous montrerai porter et voilà. En plus j'ai un petit comme ça. Je me rappelle plus du tout ce que c'est. Je sais plus du tout ce que c'est, c'est hyper stressant. Oh, ok. Je me rappelle plus du tout que j'avais pris ça. C'est un petit truc col montant comme ça avec des rayures, sauf les rayures elles sont hyper grosses. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Ouais, enfin, ça va, c'est mignon. Mon manche courte avec une tache. Merci beaucoup. Petit jet, les gars. Il y a l'étiquette yonde, je sais pas comment on dit. Sinon, ça m'a l'air d'être un top court, col montant. Enfin, avec un petit col qui monte comme ça. Manche courte, ouais. Je sais pas quoi en penser. Je pense que ça, je vais voir une fois porté si j'aime bien ou si j'aime pas. Mais bon, voilà, c'est un petit truc. Ouais, il m'a l'air d'être vachement court et tout. Je sais pas du tout si je vais aimer, si je vais le porter ou quoi. Le dernier, c'était pas pour moi, c'était pour ma soeur. C'est un bomber. C'est un bomber parce que sur les sites chinois, franchement, les bombers elles sont cool en général. Du coup, voilà. Ouais, franchement, il a l'air d'être vachement cool. Il fait penser au mien que j'ai. Je vais essayer, je sais plus son prix. En gros, je sais pas trop si je dois vous conseiller site. Les trucs sont bien, mais je crois que sur le site ils étaient plus beaux quand même. À part le bomber, il est vraiment cool. Il y a un des pulls qui est beau. Après, il y a un t-shirt, il y a une tache. Bon, après, c'est pas non plus une grosse tache de quand même ça, quoi. Et après le sweat qu'on doit faire soi-même, les lacets, etc. Ouais, bon après quand même la matière ça a l'air d'aller, je comparerais ça plutôt genre H&M. J'ai tous les liens en barre d'infos, le lien du site, le lien de chaque article, mais ça tourne, c'était vraiment pas cher du tout. C'est pas cher, si vous avez un petit budget pour vous habiller et tout, c'est pas mal. En gros ça va, c'est juste celui-là que je suis pas fan, genre il y a des filles qui sortent de nulle part là. Le bomber il est vraiment cool. Je mettrai le site en barre d'infos, je pense que ça vaut le coup de commander parce que c'est pas cher. Vous attendez genre à peu près 3 semaines, 1 mois pour recevoir le colis, donc bon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos unboxing. Je vous fais de très gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.